Bonsoir YouTube et bienvenue, nouvel épisode de Guilt. Donc on est reparti, on va faire la suite. On vient de battre le poste de feu qui a sauté par la fenêtre comme un foufou. Et il a laissé un gros trou. Donc elle doit être à l'auditorium, on nous a dit Emily. Oh, il y a des ennemis de partout. Donc allons voir ça. Donc il a sauté par là le foufou. Donc nous on y va. Mais là je peux pas passer. Je peux passer. Je peux passer maintenant. Ok. Il me semble que là c'était tout bloqué la dernière fois. Ah non, cafette, on y est déjà venu là, cafette. Je suis sur le bon chemin. Ah ouais. Ok. Donc direction l'auditorium, c'est reparti. Toujours quand on s'en va. Alors. Et l'auditorium, moi je sais pas où il est. Ah, il est là. Ok, vers le centre artistique, tout ça. D'accord, donc pour qu'on se ferait un chemin jusque là-bas, j'imagine. Donc c'est parti. Ah, il est là. L'auditorium. Pourvu qu'elle y soit encore. Tu peux passer direct ? Je peux passer direct. Donc la planche, elle va casser ou pas ? Pourquoi est-ce qu'on peut descendre ? Il y a un truc à trouver ? Ah, il y a juste une batterie. Gardons-la pour plus tard au cas où. Hein. Je sais pas si ça repop ces trucs. Si ça respawn ou pas. Ça c'est bien, j'en avais plus. En vrai, on peut aller tout fouiller si on veut. Là, il y a le gymnase, le centre. Non, mais nous, on va aller direct à l'auditorium. Le reste, j'imagine qu'on va aller fouiller plus tard. Le jeu est quand même bien en ligne droite, hein, donc. Et c'est ouvert. Très bien. Oh là, tous les endroits ils sont chouettes. Hein. Emily en spectacle? Ok. C'est la kermesse, c'est le spectacle de fin d'année. Faut que j'aille où? On sait pas. Bon, bah, prenons à gauche. Il y a l'air d'avoir une salle. Et on peut pas y accéder. C'est ça? C'est ça. Ah si on peut. On entend crier Emily. Ok, les mannequins quand ils... Regardez ça. Ouais, le... ouais c'est bien... C'est bien fichu ça. Cette thématique du harcèlement, ouais. Je trouve que voilà, tout seul dans son coin, assis par terre. On dirait qu'il attend quelque chose. Et tous les autres sont ensemble et lui tout seul dans son coin. De livres. Plus de maison, j'ai tout perdu. Ah bah ça c'est Emily. L'incendie, la mine, la voix dans les haut-parleurs, je ne sais plus quoi faire. C'est trop. Ah oui mais ça non, ça c'est encore autre chose. Ah oui, c'est le militaire, je crois, qui était parti. Ah, ça doit être ça. Le message diffusé par la transmission d'urgence était terrifiant. Ça parlait d'un glissement de terrain, d'une évacuation immédiate. Quand les représentants de Tom sont arrivés, je les ai suppliés de me laisser aller chercher Jacob. Je leur ai expliqué qu'il avait disparu, mais ils m'ont emmené de force. Quelques minutes plus tard, la ville tout entière était engloutie par un torrent de roches, de flammes et de cendres. Seigneur, ils ne m'ont même pas écouté. Je dois retourner là-haut, je dois le retrouver. Mais il m'en empêche, je suis là avec les autres habitants de la ville, dans cet endroit répugnant où on va dormir sur des lits de camp en attendant une solution. Je ne comprends pas, j'avais une belle vie, pourquoi tout ça est arrivé? Ok. Les gens se rallient aux représentants de Tom, ils veulent reconstruire la ville, nous donner de nouvelles maisons. Certains habitants sont même ravis, c'est fou. Je ne veux même pas les écouter, ça me rend malade. Il faut que je sorte, que je retourne à Battlewood, c'est là que se trouve ma maison avec Jacob. Sous les éboulis, j'ai un ticket de funiculaire, je l'avais acheté. Parce que je comptais aller voir Jacob à la mine plus tard dans la journée. Qu'est-ce que je vais en faire? Il ne m'emmènera plus nulle part maintenant.
Il n'y a plus rien au terminus du funiculaire à part les restes ensevelis de ma vie, de notre vie. Ok, c'était hyper joyeux. Non, comme ça. C'était hyper joyeux. Comme d'habitude. Je suis arrivé de là. C'est ça. Ok. Est-ce qu'il y a une autre aile? Il y a le bureau. Bah faisons l'aile est maintenant. Est-ce qu'on peut y accéder? Peut-être par dessous l'escalier? Pas du tout. C'est bloqué de l'autre côté. Donc cette porte est bloquée. Et là, je peux pas y accéder. On pourrait monter. Le bureau, est-ce qu'il est fermé? C'est bloqué de l'autre côté. Ouais. Mais qui a dessiné ça? Emily est ici, juste derrière cette porte. On peut pas y passer. On dirait qu'il tient quelque chose dans sa main. Mais je peux pas y aller. Ah, il a la clé. Allez, on monte. Non, on monte pas. On monte pas. Et on monte pas. Ah, faut que je trouve un moyen de... choper les trucs dans sa main. C'est une mauvaise blague ou quoi? Ouais, qu'il faut juste que je tire... On dirait qu'il tient quelque chose dans sa main. Ouais, j'ai bien vu qu'il tient quelque chose dans sa main. Comment est-ce que je peux faire? Ouais, c'est bloqué de toute façon. C'est bloqué de l'autre côté. Allez, est-ce qu'on a raté un chemin? Je peux pas le pousser lui pour défoncer la porte. Ça m'aurait arrangé, mais on s'était pas sympa. C'est bloqué de l'autre côté. Et de toute façon, ouais, non, mais faut que je trouve un moyen de passer de là, du coup. Oh, d'ici. Ok. Encore un drôle de livre. Oh! Sous le feu de je sais pas quoi. Sous le feu des projecteurs. Pourquoi tout le monde se moque de moi, les autres élèves rigolent de ce que je dis ou de ma façon de parler? J'ai l'impression d'être dans une émission de télé que tout le monde regarde. Si je donne une mauvaise réponse en classe, ou que je tombe pendant le cours de sport, le lendemain toute l'école en parle. Maintenant, quand je vois un groupe d'élèves, j'ai peur parce que je sais qu'ils parlent de moi. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Je voudrais me cacher et disparaître pour toujours, mais ils me surveillent tout le temps. Avant, je voulais des amis, mais désormais, je voudrais juste qu'on me laisse tranquille. Peut-être que si je ne dis plus rien, ils m'oublieront. Ok. C'était quoi? Non. Arrête d'y penser. Prends une canette. Prends une canette. On te met des canettes, c'est pas pour... Ah mais il marche pas. Ok. Ah, il faut que je mette le courant pour qu'il fonctionne. Ah eh oui, mais... Est-ce que ça a fait tomber une canette? Ça serait bien. Ah mais comment je peux faire du coup? Ah voilà. Je me disais. Évidemment. J'en ai trop fait là. Ça a l'air de monter, c'est bon. Donc. Ah oui, mais de là. Parfait. Parfait, parfait. Et maintenant ça. Si on arrive à viser. Dégoûté.
et surtout trop mauvais. Allez, on vise bien. Oui. Easy, du premier coup, comme d'habitude. Et c'est juste... Ah, il y a ça. Ok. Où va-t-on? On va arriver dans le bureau qui est fermé. Ok. Attends, ça, début. Oh putain. Oh putain. Mais c'est fou ça. Ah oui, non, deuxième coup, mais bon, je me rassure. L'école? Une mine à l'intérieur d'un bâtiment? C'est n'importe quoi. Ça, c'est pour moi. Ah, mais c'est juste. Hein. Ouais, c'est bien, on a débloqué ça. Mais on est quand même d'accord que ça servait à rien. On vient de faire. Attendez, j'ai enlevé le courant de quelque part, donc... Peut-être que maintenant on peut passer... à un endroit. C'est bloqué de l'autre côté. Emily est ici. Juste derrière cette porte. Attendez, à quoi ça sert d'enlever le courant là, de ce qu'on vient de faire? Ça sert bien à rien. T'as un miroir sur le mur. Où ça? On n'avait pas vu ça. Bah, du coup maintenant ça. Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Des monstres invisibles? Sérieux? Allez, on reste calme. Pas de panique. Emily est ici. Juste derrière cette porte. Ça a servi à quoi? Ah, on peut passer là maintenant, d'accord. Très bien. Ah, c'est pas clair. C'est pas clair. Mais ça fonctionne. Là, ça fait flipper. Oh oh. Oh là 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 là. Les souvenirs d'Emily, très bien. Donc là, pour l'instant, on peut pas passer. Ouais, ça fait flipper. Je me doutais qu'on pourrait pas passer, mais bon. Ça valait le coup d'essayer. Ok, c'est infernal ce bruit. Les cris d'Emily, c'est infernal. Mais c'est l'araignée qui la tient. Oh là 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 là. Il va falloir que je coupe tout ça. Comment, je sais pas. Je crois qu'il y avait un interrupteur ici ou quoi? Moi j'ai rien vu. J'ai pas vu d'interrupteur.
Ah, faut que je l'emmène où? Et ben pas ici. Alors devant ça. Ça a rien fait. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? C'est ça qui est étonnant. Pas trop quoi en faire. Ah mais peut-être juste ici. Ah mais c'est peut-être ça. Attendez, peut-être ça va le couper le courant d'ici. Oui mais là il est toujours alimenté. Il faudrait que j'arrive à couper les deux en fait. Comment est-ce que je peux faire? Il y a un autre char? Ah mais il y a un autre char. Oui mais... Ah si là ça doit couper le courant dessus là non? Moi j'ai rien compris. Moi je pense que si je mets là ça coupe le courant non? Ouais, ça le coupe. Ah, mais ça met du temps. D'ailleurs, je peux passer là ou quoi? Non, je peux pas passer. Celui-là, il est trop bon. Ah ouais, il est trop bon. C'est la merde. Là c'est pour lui. Ok. Et celui-là c'est pour l'autre. Ok. Donc ça c'est bon. J'avais pas vu le deuxième chariot au départ, c'est pour ça. Mais c'est bon. On l'a trouvé. On l'a trouvé, on l'a trouvé. J'avais pas vu le premier chariot au départ, donc c'est moi qui ai raté le truc. Et donc faut qu'on redescende là, dans le bureau d'en dessous, pour récupérer la clé, pour ouvrir la salle de l'auditorium. Parfait. Allez. La clé. Donc la salle du théâtre. Tiens bon Emily, j'arrive. J'arrive, mais d'abord je fouille. Un quartz de sang. Ah oui, ça, on en a trouvé quasiment aucun. C'est vrai qu'il y en a des quartz de... Ouais, c'est vrai que les collectibles, on n'a pas été bon. Hein. On n'a pas été bon du tout. On n'a pas été bon du tout sur les collectibles. Les personnages, les oiseaux, les machins comme ça. On n'a pas été bon du tout. Hein. Et bon, en même temps, ça m'intéresse pas du tout, hein, j'avoue. Julie, essaye de récupérer le live. Julie. Clique sur en direct en dessous. Je pense que t'as un petit décalage. Ou alors c'est que le live s'est décalé complètement.
Il n'y a pas l'air d'avoir trop d'écart. Je regarde. Non, il y a 5-6 quoi. On y est. Laissez-moi tranquille. Emily, je suis là. On a trouvé Emily. Ok. Alors pourquoi il y a toutes ces machines à canettes ? Ça fait rien. Et je sens qu'il... Ça va être chiant. Non, on n'est pas, plein de vie. Oh non. Chouette. Attendez, c'est OK. Qu'est-ce qu'il faut? Vous croyez qu'il faut que j'y tire dessus? Je peux pas le viser. C'est ça qui m'étonne. Ah, faut être derrière. Pour les... Ah oui, mais non, fallait que j'appuie sur le haut. Et non pas que je tire. Ok, on arrache les fils, très bien. Un nouveau boss. Un nouveau boss. J'aurais dû garder ma canette. Ah, il va falloir que j'arrache les fils de tout ça. Sans me faire pécho. Il est où? Ah, il est là-bas. Laisse-la tranquille. J'ai dû en remettre un autre. Mais où? Là-bas. Comment je vais faire? Faut que je fasse tout le tour. Pas ici, sinon on va rester là. Ouais, ça va, c'est gentil. Allez! On l'a fait tomber. Ok, il y en a plein. Tiens bon. Ça va, c'est pas le plus dur. Pas le... Ah mais non, il est loin. Ah mais on va faire l'autre qui est là-bas derrière. Allez, cache-toi. C'est bon, c'est passé. Il doit en rester deux ou trois. Il en reste au moins un. Ouais, même en bourrant, on est tranquille. On passe par en dessous. Ouais, mais là il bouge plus. Comment je fais? S'il bouge plus.
Il faut vraiment que je passe plus bas. Ouais, il est pénible. Oh, c'est une blague là, non, là c'est une blague. Oh, là c'est fait pour. Là. Oh, là c'est fait pour que tu te fasses avoir. Bon, on y arrivait quand même. C'est la séance du vendredi. Salut Julien. Je t'avais pas vu. Le design est cool hein, du boss. Hein. J'arrive, Emily. Pourquoi elle part encore? Non. J'ai réussi. Oui, t'as réussi, mais elle est partie. Allez, montons sur la scène. Emily, est-ce que tu vas bien? Laisse-moi tranquille. Laissez-moi tous tranquilles. T'inquiète pas, Emily. Tout va bien se passer, je te le promets. Non, c'est faux. Laisse-moi tranquille. T'approches surtout pas de moi. Ah ouais. Ah, Emily, elle veut pas de nous. Waouh, c'était fort. J'ai eu trop peur. Bah moi aussi. Si ces choses m'avaient eu. Bon, Sally, ça sert à rien d'y penser. Trouve un moyen de t'enfuir. Échappez-vous du centre artistique. Ce qui m'a l'air d'être une bonne idée. Attendez, on a vu le truc. Ouais, mais ça doit être pour après, quand je vais monter. Ok. Ça m'a l'air d'être une bonne idée de s'échapper. Déjà ça, on va voir s'il y a quelque chose ici. Ah, rien. On peut pas passer les câbles. Ah oui, mais il y a une échelle, tout simplement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre par là? Rien. On va aller jouer les temps en ligne droite. Hein. Et Emily, ouais. Elle veut pas de nous. Le mieux. Le mieux, c'est de descendre. Ça, c'est pour moi. Et elle s'est encore fait attraper, non? On l'entend crier. Oh là 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 là. Alors, est-ce qu'elle a été trop... Cet endroit a aussi trop traumatisé, Emily. J'avais jamais vu cette statue avant. Ah ouais. Mais on est où là? Ah on a... Ah oui, on est rentré par le machin et ça y est, on est rentré dans le centre artistique qui était à côté de l'auditorium. D'accord. Ok, donc là vers le premier étage, ça sera après, on va fouiller le bureau, tout ça. Et la cour de l'école. J'imagine. Comme d'hab. On prend la canette. De toute façon, là, je peux rien faire d'autre. Voilà la sortie. Mais elle est bloquée par un truc. En même temps, à quoi je m'attendais? C'est bloqué de l'autre côté. Ouvrez la porte aux canaries. Ah mais d'accord, parce qu'il y a des canaries dessinées dessus. Ah, faut que je trouve le canari jaune. Ça ressemble à un... Ça a l'air d'être un puzzle. Pourquoi tout est si compliqué? Donc le mieux.
On s'en fout, en fait. Le mieux, c'est de commencer par un côté. Le mieux, c'est de commencer par un côté. En posant la canette. Ah, par où ? Ah, il y a le bureau. Attendez, ça, c'est quoi ça ? Cette porte ne s'ouvre pas, c'est ça ? Ouais. Doux visage sur. Ouais, vous êtes dans la chanson, les gars. Vous. Ah, il manque un masque. On prend le raccourci déjà. Ah oui, mais il y a l'électricité. Même. Ouais, ben ça, on a vu ça, mais. On a vu. Est-ce qu'on est venu là? Oui, là, on est venu. Fermé. Ok, et ben. What? C'est bloqué de l'autre côté. Ok, j'ai pas envie de m'engouffrer dans l'ascenseur, je vous le dis tout de suite. On a plusieurs chemins. Hein. L'entrepôt, c'est de là d'où on vient. Cette chaîne la bloque. Et tous ces mannequins là, ça fait flipper. Ah ouais, alors ça, évidemment, évidemment. Ça en fait des mannequins. Et en fait, à quoi ils servent ? Bah, bonne question. C'est une armée. On a trouvé un masque. On a trouvé le masque. Cette chaîne la bloque. Ah. Ouais, parce que je peux pas prendre l'échelle du coup. Ah mais j'ai pas la vanne. Et la vanne est nulle part. Elle est pas là en tout cas. Alors, est-ce qu'il faut mettre le masque et revenir après? Bien sûr, maintenant il bouge. On l'a eu. Parfait. Non, on vient de là-bas. On va mettre le masque. La clé de la salle où sont entreposées les fournitures d'art plastique. De toute façon, ouais, j'ai pas la vanne hein, pour l'autre, donc. Donc ça sert pas à grand chose pour l'instant. Donc là, on n'avait pas la clé. Et maintenant, on l'a. Donc on est passé. Ah, la vanne est là-haut. On l'a vu. C'est pas joyeux. Hein. Comment je fais pour l'atteindre ?
C'est la grande question. Faut juste que j'aille chercher une canette et shooter dessus ou... Est-ce qu'il y a un passage là? Il n'y a pas de passage. Bizarre ça. Pour décoincer la porte qui est là-bas. En même temps, il n'y a pas de machine hein, pour les canettes. Si. Ok. On va bien vanner, ouais. On va voir. J'imagine que c'est comme ça, sinon sinon je vois pas trop. Oui. Ouais. C'était bien ça. Ok, donc ça. Et les mannequins, ça fait vraiment peur. Ça fait vraiment peur, pour le coup. Oh là 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 là. Non, non, c'est bon, ça va aller, merci. J'ai pas besoin d'aide. Les voix et tout. Tout est fait pour faire flipper. Viens me voir. Non, non, ça va, merci. Bien, résolvons l'énigme. Mais faut juste que je mette point rouge. Voilà, nickel. Nickel. Faut que j'aille où moi? Ah, faut que j'aille là-bas. Et donc maintenant faut que j'éteigne ce qui est là-haut. C'est lequel qui est éteint. Oh. Voilà. Ah oui mais non, attendez, il en reste un. Ouais, je dois pouvoir passer dessous là, non? Pas du tout. Pas du tout. Zut, zut, zut. Ok, bon, on a tout éteint. Bon, bah, c'est bon. On a réussi. Parfait. On y arrive doucement, mais sûrement. Qu'est-ce qu'il faut? Ah, c'est LBRB pour tourner, ouais, je viens de voir. Ah, c'est lequel qu'il faut éclairer? Le bouton du bas? Ah, celui-là, il est fixe. Ah! Et du coup, c'est chiant.
je peux pas le tourner. Mais attendez, mais c'est une grève. Quoi ? Et si je peux pas le tourner, lui ? Il faut que j'éclaire lequel ? Lui donc ? Comme ça, d'accord. Ok. Ok. Donc l'ascenseur est en marche. Attendez, on n'a pas tout fait là. Si l'entrepôt, on l'a fait. On a tout fait. Waouh! Eh ben écoutez, on a fait un nouvel épisode de 40 minutes, hein. C'est pas mal. C'est pas mal. Et on arrive donc au premier étage du centre artistique. Écoutez, on va s'arrêter là. Et malheureusement, je vais même arrêter le live ici, je pense. En tous les cas, ça a été un super épisode. Pour ceux qui sont rediff, j'espère qu'on va se revoir très vite pour la suite de Guilt. Moi, j'ai encore adoré. Voilà, c'était cool. C'était génial, belle ambiance. Dommage, les puzzles un petit peu plus différents. Il y a un petit peu plus de renouvellement dans les puzzles, ça serait cool. Ben voilà. Mais bon, pour l'instant, le jeu me plaît. On va aller au bout, ça c'est sûr. En tous les cas, nous, on se revoit très vite. D'ici là, portez-vous bien, soyez sages, prenez soin de vous. Et à bientôt. Ciao, ciao.